Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Valkyria Chronicles 3. Alors, j'ai résolu mon bug que j'avais eu. Parce qu'en fait, le bug venait de ce qui se trouve entre la chaise et le clavier. Il avait oublié de cocher une case. Voilà, bravo à lui. Tout va bien. Donc, ce n'était pas un bug du programme, mais bien un bug de l'utilisateur, comme souvent on le remarquera. Mais nous sommes parfaits, nous sommes le dieu de l'humanité. Alors, oui, hop, tant qu'à faire. Oh, on va pas faire Air Arcane, ça a l'air trop nul ton truc. Voilà. Au moins, on a amélioré tous nos soldats à fond. On va regarder, il me semble qu'il me restait des trucs à acheter. Pour le tank, normalement, non. Ça non. Normalement, ce que j'avais pas acheté, c'est parce que c'était tout pourri. Enfin, c'était moins bien que ce que j'avais. Faudra vraiment que je re-regarde. Sauf ça. Ça, bah, oui. Meilleur lance-flamme. Évidemment. Ça, on les utilise pas, donc on n'a pas besoin de. Ça, il faudrait vraiment que. Ah, range 5 quand même. Accuracy 10. Oh. Oh. Oh, alors ça. Je sais à qui je l'ai. AP, c'est pas mal. Je sais à qui je vais donner cette superbe accuracy. Alors, elle est où? Élite. Ah, mais il l'a déjà? Voilà. Self-défense, Dark Sun. Non, on fout le. Ok, bon, on va y aller. Ok, bon, on peut y aller. On peut y aller, on va faire la mission qui va nous. Enfin, d'abord il y a une petite cinématique, on l'a vu avec Cosette, et certainement qu'on va devoir tabasser Gusurg après. On n'a pas peur de Gusurg, on lui montrera qu'il a eu tort de quitter les Nameless. Nous avons défoncé l'ennemi, nous avons besoin d'une zone sûre pour continuer. Nous pouvons continuer vers Yule. On n'a pas assez d'essence pour prendre un détour. Nous allons probablement devoir entrer à Yule par l'est, par la forêt qui se situe à l'est. Ah, nous allons faire ça en tant qu'effort futile. Il n'y a pas d'effort futile. Oui. Annika, toujours optimiste, évidemment. C'est quand même mieux que quand elle est pessimiste tout le temps. Riella a raison. Nous allons. Si on bouge pas, on va perdre du temps. Mais oui, c'est logique. Très bien. On dirait que les gens sont revenus. Cependant, les bâtiments sont toujours un peu détruits, mais ça revient de plus en plus à la vie normale. Ah, coucou! Cosette, comment ça va? Je fais partie de la Tone Guard. Et oui, je donne les premiers soins et je fais mon devoir de garder la ville. Bien. Cosette, il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que c'est? Je peux faire quelque chose pour vous aider? Quoi? L'armée galienne est en train d'essayer de vous défoncer le cul? Oui, nous n'aimons pas ça. C'est bien trop serré. Nous avons besoin de supplies. Et maintenant, nous avons besoin que les citoyens nous aident. Est-ce que tu peux nous aider? Ah, attendez une seconde. J'ai oublié de faire quelque chose d'important. Elle a certainement oublié d'aller aux toilettes.
Elle est en train de tendre une embuscade. Il faut la tuer. En vite! En vite! Non, je ne suis pas devenu paranoïaque. Venez par ici, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est le soldat qui nous a laissé des munitions et des lait. Nous avons quelques bidons d'essence. Est-ce que vous les voulez? C'est probablement pas grand-chose, mais ce sera déjà bien. Ma maman a fait de la bonne nourriture. Voilà, vous allez pouvoir la manger. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, nous sommes. Nous les avons effrayés. Voilà. Hein. Donc ils nous donnent tous leurs supplies. Oui, nous allons tous les tuer. Ah non, en fait, ils nous les offrent juste. Non. Nous nous rappelons que cet escadron nous a sauvé le cul. Vous vous souvenez de nous? Vous êtes les premiers qui êtes venus pour nous sauver. Mais oui, vous avez cassé la gueule à tous les ennemis. Mais oui, Cosette nous a tout raconté. Cosette a dit que nous devions tout vous donner et vous donner aussi les supplies. Oui. Cosette vous a tout dit? J'ai juste. Voilà, j'aurais juste raconté l'histoire de vrais héros qui étaient venus nous secourir. Oui, la libération de Yuval n'était pas que de notre fait, mais vous êtes la partie la plus importante. Oui. Les gens avaient fui Yuval et vivaient en tant que réfugiés dans des camps. Maintenant, nous pouvons vous aider. Beaucoup d'entre nous sont blessés, ou étaient blessés plutôt. Oui, nous n'avions pas assez de lits et de médicaments. Car beaucoup de gens sont morts en vain. Durant ces jours, oui. Voilà, nous n'avons pas eu de supplies et de rations. Cosette, nous étions tous inquiets. Que les impériaux tenaient la cité pour toujours et que nous devions des réfugiés de guerre. Il n'y a pas encore si longtemps, les Darksens ont massacré. C'était plutôt bizarre. Nous étions inquiets que la nation périsse. Mais c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé pour casser le cul à ces impériaux. Oui, et vous l'avez fait. Laissez-nous vous remercier maintenant. Le peuple de Yule va vous gratifier et va vous aider. Ne vous inquiétez pas. Merci. Vous êtes. Voilà. Vous avez vécu des temps difficiles. Oui. Nous avons de la nourriture et de la boisson pour vous. Et bien plus. Venez et enjoyez-vous. Ah, nous allons avoir nos estomacs pleins. Très bien. Eh oui. Merci. Heureusement que nous les avons aidés, quoi, parce que si l'histoire ne l'avait pas fait, eh bien nous serions tous morts. Recon report, monsieur. Hein? Les Nameless, ils sont dans Yule. Exactement comme on le voulait. Elles sont ici. Maintenant, nous n'avons pas le choix. Oui, nous allons. Leur défoncer le cul. Informe, ouais, préparé pour l'embuscade. Mon Dieu, on va se faire embusquer comme si on ne le savait pas. Rapport. Un escadron de Calamity Raven est en approche. Je ne peux pas les stopper toute seule. Calamity Raven? Pas l'armée galienne? Tout le monde, préparez-vous, évacuez les civils. En vite, en vite. Tirez dans le cul des ennemis. En vite, en vite. Ok, on se fait attaquer par Gusurg. Nous allons devoir défendre target base. Oh, tuer tout le monde. Eh bien, très bien. Allure, heavy tank, lanceur élite, heavy armor.
Des éviers en mort, j'aime pas ça. J'aime pas les éviers en mort. Ok. Positionnons nos unités. Directement, évidemment, le tank. Accompagné de qui? De... Non. De Félix. Alphonse. Serge. Et Clarisse. Ensuite, Kurt, Riella, Imka et Leila ici. Voilà. Là, ça va chier là-bas. Et oui, moi je vous le dis. On a une Valkyrie et tout. On a l'Open Fire qu'on a vu qui était très très efficace lors de la dernière mission. Bon, on doit juste tenir la ligne. Donc on va la tenir, c'est tout. Voilà. À 4, on va tenir la ligne. Vous inquiétez pas, ça passe. En plus, on a des. On a Imko. Oh! Comment ils savent pour nous? Deux Heavy Armor juste à côté de nous. Ça fait mal au cul. Et en plus, c'est eux qui commencent. Merci le jeu. Comme d'habitude. Donc, les Heavy Armor, elles vont nous défoncer. Sérieusement, quoi. Voilà. Voilà, parce que nous on n'est pas couvert. Super, on a déjà perdu Félix, merci. Merci le jeu. J'aime ça. La deuxième, évidemment. Ah non, c'est un simple trooper. Et qui va tuer notre sniper. Voilà, au revoir Serge. Merci d'avoir joué. Le lance-flamme qui a touché tout le monde, hein, on le sait. Le petit lancier là. Bon, ça va. Pas fait très mal. On lui aurait rien fait comme dégâts, super. Voilà, la deuxième armure, Heavy Armor, elle va nous défoncer le cul. Yes, merci Alphonse. Bon. Mais tire plus haut, il a une tête, hein, tu sais. Ok. Ah, il y a encore un mec là. Oh, au revoir mon sniper. Oh là là, ce Alphonse qui évite tous les tirs. Ah là, mais le sniper est mort. Vous savez, celui que je voulais utiliser pour tuer les Heavy Armor, mais il est mort. Voilà. Merci le jeu. Merci le jeu. J'ai horreur de ça. Quand l'ordi commence, il vous met tellement cher. Pourquoi mes gars ils commencent pas allongés quoi. Voilà, Félix on peut plus l'utiliser pendant la bataille. Merci le jeu de m'avoir retiré Félix. J'en avais besoin. Voilà. Le jeu me retire. Gratuitement, comme ça. Merci. J'ai aimé. J'ai adoré. J'ai apprécié. C'est tellement fatigant quoi. Pourquoi on commence pas à couvrir? Allez, et une ici, super. Oh oui, court. Oh oui, meurt. Oh oui. Enlève-moi des points. Oh oui. Eh, hey, finesse, mais tire juste à... Ah, tu visais un peu à gauche. Là, tu le défonçais. Eh non. Oh oui, enlève-moi des points de commandement. Oh oui. J'aime ça. Super. Bon, bah voilà. Merci. Un point de commandement en moins pour le reste de la mission. J'aime ça, hein. On a voilà, regardé le moral, hein. Super. Bah on est bien dans la merde. Voilà. Ok, j'aime ça. J'adore. Ça me saoule. Sérieusement, c'est horrible quand l'ordinateur commence et vous met tellement cher, quoi. Ça doit pas être. Non, c'est bon, quoi. À chaque fois, c'est pareil, quoi. Oh, à chaque fois. Et en plus on s'est pas visé, fatigant, donc lui déjà je peux pas le tuer. Voilà, quand même. Bon. Comment je vais faire? Comment je fais là? Punaise. Fatigant quoi. Le jeu qui fait exprès de te fatiguer.
Ok. Bon. En espérant qu'il mette pas son bouclier devant sa tête. Yes. Ouf. Ah bon, lui est mort. On a tué un, c'est bien. Ah bah c'était l'ennemi spécial, non? J'ai cru voir que c'était l'ennemi spécial. Lui, il lui reste beaucoup trop de vie. Oh, il va se calmer, Jackie, là. Allez. Yes. Lui, déjà, il est dégagé aussi. Ok. Ok. Bon. Alphonse. Ok, t'as rien fait en dégâts. C'est génial, j'aime ça. Ok, donc, il y a lui. Donc, alors, attention. Ah, des hits, j'ai pas le choix. Et après, il faut que j'aille sauver... Cinq balles. Deux balles dans la tête, tu le loupes pas, s'il te plaît. Yes! Là, on a eu de la chance. Ok. Tu le loupes pas. Non! Non! Oui! Tu le loupes, t'as pas le choix, tu t'as pas le droit de le louper. C'est simple, tu ne dois pas louper. Et vous allez voir qu'il va remettre son bouclier devant. Non, yes. Allez, barre-toi. Bon, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que j'ai pas pu me mettre à couvert ni rien, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, au moins, les évières morts, elles sont mortes. Ça, ça va. De toute façon, on a Clarissa qui peut venir le réparer, donc ça va. Les portes sont fermées, c'est intéressant. Ok. Je sais pas s'ils peuvent les ouvrir pour le coup. Ok, un autre lancier. Il va quand même falloir les tuer. Hein. Clarissa, il va falloir que tu viennes réparer le char. Aïe, vas-y. Voilà. Bon. J'ai pas vu combien de tours, je sais plus combien de tours je dois tenir. Trop, déjà. Ok. Bon. Fatigue ce PC. Ah c'est tir. Parce qu'en fait, ce qui est embêtant, c'est que moi je trouve qu'ils ont 10 fois plus souvent que nous les procs de je me mets allongé, des trucs comme ça. Ça c'est. Ok. Bon. Leïla, tu vas avancer. Ok, il y a une mine là. S'il te plaît, t'évites de marcher dessus. Ok, tu peux le tuer s'il te plaît? Ah, c'est quoi leurs armures là? Il faut absolument tout leur mettre dans la tête pour les tuer, quoi. Ils sont résistants. Ah! Il y a un tank ici, c'est vrai. Bah tant pis.
Ok. Annika. Attention, là, t'as une mine. Eh ouais, ça va aller, oui. Allez. Connard. Voilà. Ok. Alors attends. Hop. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle peut le réparer et rester à couvert. Ok. Meurs. Voilà. Oh. Merci. Ok. Ah merde. Ouais. Un, trois tirs quoi. Vise-le dans la tête. Tu sais tellement pas viser. Ok. Merci. Non, ça j'adore. L'ordinateur qui te donne l'angle de vue le plus naze pour que tu puisses viser. Ah, je vais pas pouvoir les tuer. Voilà. De quoi 28? Ah merci. Voilà, au moins lui est mort. Ça lui apprendra. Ok. Et il me reste un point. Tirs de lance améliorée à fond pour le tuer. Super. Tiens, dégage. Comme ça, tu t'approcheras pas trop. 18 tirs, vous êtes sérieux, quoi? Enfin, je sais bien que je suis loin, mais quand même, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter les délires. Il faut arrêter les délires. Ça va. Annika. Pas grave. Allez, vas-y. Yes, je vais te tuer. Yes. C'est pas grave. Mais oui, fais pas être un lancier, vas-y, vas-y. Oh, de face, il peut rien faire au chat. C'est sûr. Il a une armure de face et tout, donc ça, ça va. J'ai bien fait de le mettre en tout cas. Ok. Ça, ils passeront jamais. Hein. De toute façon, ça on le sait. On voit un lancier. Va falloir les tuer quand même, hein, parce que Clarissa va encore devoir venir préparer le char. Et malheureusement, au fur et à mesure, il va prendre des dégâts. Tu sais pas viser. Fais déplacer ton trooper dégueulasse là, qui a KPP. Voilà, vas-y, vas-y, viens. Viens, viens. Voilà.
Ok, je sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Ok. Faudrait que j'arrive à détruire leur char, quoi. Ok. C'est combien de temps? 5 tours? 6 tours? On va regarder. Objectif. Aïe, 5 tours. J'aime bien, il vous met 20 tours passe, mais vous devez la garder 5 tours. Ok. Il reste encore 2 tours à tenir. Ça va aller. Ok. Leïla. Hop. Non. Vas-y, mets-lui tout dans la bouche. Comment t'arrives, quoi? Sérieusement, quoi. Comment t'arrives à être mauvais comme ça, le jeu? Avec mes troupes. Mais qu'est-ce que mes troupes, hein? Alphonse. Pour là, il n'y a que des lanciers, donc ça va. Ok, lui, je lui mets genre toutes les balles dans la bouche. Mais ils sont invincibles, hein? C'est fou, Clarissa. Tue-le. Même de là, il lui faut le tir. Heureusement qu'il y a des mecs à côté pour t'aider. Vas-y. Voilà. Va près du char, tu le répares. Voilà. Bien. Je vais te mettre là. Non. Ah, je vais encore utiliser un point. Parce que je me suis trompé. Ah là 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 là. Misplay. C'est pas grave. Il faut absolument garder un mec là. Sinon ils vont pouvoir venir chercher notre point de ralliement. Allez. On y va. Contre-attaque. J'en ai marre que tu me fasses popper des lanciers là. Allez, meurs. Toi tu meurs. Voilà. Déjà ça c'est fait. Toi aussi meurs. Voilà. Ah. Voilà, va chercher ce point-là et tu le tiens tout seul s'il faut. Donc tu le tiens. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle de points. Voilà. Et en plus, comme c'est pas un point de qui va vers une autre zone, et ben il est obligé de venir le chercher. Voilà, il peut pas me le prendre dans le dos. Et ça, ça va très vite l'embêter. Vas-y, mon petit Serge. C'est toi qui étais censé t'occuper de tout ça. Mais t'as eu un petit souci de type lance-flamme et triche de l'ordinateur. Ok, vas-y. Voilà. Allez. Hop, vas-y, tour 4. Ah, on va la jouer au chrono, hein. C'est défendre les défenses, j'ai toujours dit que je joue au chrono. Pendant ce temps-là, il m'embête pas. Comme par hasard, il touche. On va la replier, Leïla, et on va mettre Félix à sa place, je pense. Je pense, hein. Ok, il joue pas plus. Très bien. Ça veut dire qu'il va pas venir chercher le point là avec. Alors. Est-ce que tu peux tenter de le tuer, s'il te plaît?
Yes, voilà, lui il est mort. Ça c'est bien. Ça déjà c'est un bon point. Voilà, et en plus ça peut aller jusque là, donc c'est tout bénef pour nous. On va évidemment faire venir Onuko par exemple, pourquoi pas. Qui elle va peut-être se mettre là. Voilà, elle va se mettre là, parce qu'au moins elle est à couvert du char là. Elle est à couvert du char, le char peut pas me viser. Si je me mets là. Inka, tu vas faire le tour. Ah quoi que, attends. Ah ouais, j'aurais dû faire ton open fire avant. Parce que je ne peux pas le faire une fois que tu as... commencé ton tour. Loupé. Ah, tu peux riposter quand tu te fais attaquer par l'ancien, toi. C'est marrant. Nous, on n'a pas le droit. Ok. J'arrive. Casse-toi. Voilà. On a dit quoi? Allez, on a dit qu'on se déplaçait. C'est vrai. On va faire ça. Monter là. Et là, un mec que j'avais pas vu. Qu'est-ce que je disais? Un mec que j'avais pas vu. 10 quoi. Sérieusement. Et en frontal? En frontal, j'ai même pas les chiffres. D'accord. Ok. Donc là, il y a encore une saloperie d'armure. Non. Retraite. Tu vas pas tenir. Pourquoi elle s'est retournée? Et j'ai mis dans ce sens-là. Bref. Hop. Merci Serge. Voilà. Très bien. Donc. Là, il y a un choc trooper, on le sait. Voilà, dégage-le, merci. Alphonse. C'est marrant que le tank mette pas. C'est pas grave, Alphonse. Il vise tellement bien. Ouais, désolé. Voilà. Quand occupé. Voilà, je vais te crouch ici, comme ça. Tu vas bien les voir arriver, le tank aussi. Et là, la zone 2, où est-ce que ça nous balance? Ça nous balance ici, ça nous balance avec un shock trooper. Qui se trouve ici, très bien. Allez grand-père. Ce n'est pas le style des Calamity Raven. Ils nous ont pas montré tous leurs trucs. Normalement, ils ne font pas d'assaut comme ça. Je pense que c'est souhaitant ce commandant de char. Courte. Tu es juste aussi fort que les autres. Mais cette bataille, c'est moi qui l'ai choisi. Il est là, très bien. Zar, par contre, tu vas te couvrir là, s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc on a vu Gusurg, hein, qu'on peut abattre, si on veut.
faire les sorts. Heureusement que je suis à couvert quand même, hein. Franchement. Hein. Moi je fais pas autant de dégâts quand je suis à couvert, hein, quand je leur tire dessus. Non, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Vous savez, c'est pas mon genre. Hein. Est-ce que je me serais pas un petit peu fait spoiler mon Zahar là? Hein? Par hasard. Juste comme ça. Hein. Pas mon genre, hein. Vous savez. Je suis pas du genre à râler. Ça se saurait, sinon. Mais là, un petit peu quand même, quoi. Voilà, allez, casse-toi. C'est bon, suivant, vas-y, vas-y, vas-y. Envoie, envoie, envoie. Vas-y, fais péter tes troupes, là. Vas-y, renvoie un scout, là. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Viens, viens, viens. Come on, come on, come on. Ah non, c'est un choc trooper, c'est pas grave, sniper. Voilà, tant qu'à faire. Je me suis fait spoiler. Ah bah voilà, on a gagné. Quel talent. Dans ta face. Merci. Mais oui, merci, merci Riella, c'est grâce à toi. Voilà. Sachant que normalement je suis à 4. Hein, parce que Zahar. Ok, Annika est devenue une élite. Alors on a qui? Scout en élite, Annika en élite. Il y a quand même pas mal d'élite en fait, hein. Maintenant, c'est bien ça. C'est très très bien. Alors mon petit Gusurga. Ouais. Apparemment, nous avons beaucoup d'ennemis. Si c'était un escouade plus large, nous saurions, nous l'aurions découvert plus tôt. Nous avons été incapables de capturer cette city. Mais au final, nous nous faisons face à face. Cette voix. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Gusurga. Non. C'est l'uniforme des Calamity Raven. C'est vrai. Je suis maintenant au service du capitaine Dao. Est-ce que vous n'êtes pas trop surpris? J'ai entendu dire que vous aviez commencé à être un escadron de traîtres. À cause de toi. Comment tu sais ça? Peut-être que c'est juste ma chance. Hein. Nous pouvons être des traîtres. Courte. J'ai quelque chose à te demander. Tu utilises tes pions, enfin tes hommes comme des pions, et tu veux bien te sacrifier. Mais pourquoi tu te bats? Notre combat oui, est pour nous-mêmes. Je me bats pour Galia. Mes engagements n'ont jamais changé. Je ne me bats pas pour les militaires, ni pour la victoire. Je me bats pour juste pour tuer tous mes ennemis. Oui. Pour protéger mon foyer, mon pays et tous les citoyens. Les ennemis de Galia. Mon ennemi n'est pas seulement l'Empire. J'ai des ennemis à l'intérieur de Galia aussi. S'ils ne sont pas éliminés, Galia n'aura pas de futur. Nous connaissons les traîtres. Et nous allons lui défoncer le cul. C'est la meilleure réponse que tu puisses donner. J'ai mon propre dream, mon propre rêve, et je veux que les Darksen soient indépendants. Pour ça, je propose, pour ce combat, j'ai besoin de tuer Riella et toi. Me tuer? Nous nous rencontrerons encore. Gusurga. Maintenant, on va devoir tuer Gusurga. Eh oui, car il a choisi de trahir. Et il veut tuer notre bien-aimé, notre waifu.
Je vous ai déjà dit en quoi je croyais. Nos futures batailles, vous pouvez rester. Nous n'allons pas nous replier, mais oui. Si quelqu'un veut partir, il peut le faire. Hein. Je te choisis, Kurt. Il n'y a pas d'autre chemin pour moi. Je vais aussi leur défoncer le cul. Aussi longtemps que tu seras mon capitaine, Kurt. Je resterai avec toi. Hein. Le faucon de Galia ne peut pas partir. Je te suis, Kurt. Oui, tout le monde va nous suivre. Qu'est-ce que tu as besoin de se poser la question? Bien sûr que j'en suis. Je n'aime pas travailler pour rien. Donc on a un peu de paye à la fin, compte sur moi. Je protégerai mes camarades. Je vais continuer à cuisiner pour vous. On y va. Je ne vais pas quitter cette escouade. Je ne peux pas retourner dans mon université. Oui, je vais rester ici et défoncer qu'une de mes ennemis. Capitaine, est-ce que tu as une chambre pour moi aussi? Ah oui, viens, Amy. Je peux aussi t'accorder mes faveurs. Est-ce que tu m'inclus aussi? Non? Comme tu veux. À la fin, rien ne change. Excepte que nous avons probablement ajouté un couple, quelques charges criminelles à nos faits d'armes, dirons-nous. Vos crimes commencent à être de plus en plus élevés. Ouais, c'est les tiens aussi maintenant. Peut-être. Merci tout le monde. Aussi longtemps que nous ferons l'amour tous ensemble, nous allons réussir nos missions et nous allons casser le cul à tous nos ennemis. Nous allons faire de notre mieux. Absolument. Mais nous devons trouver un moyen de suppléer à nos problèmes. Et oui, notre problème de supply. Colonel Mless ont rejoint Annuel et ils ont rencontré Gusurg. Ils l'ont cassé le cul et ils savent maintenant qu'il fait partie des Calamity Raven. L'armée galienne et les Calamity Raven les chassent. Oui, nous commençons un voyage difficile. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut dire sur les Nameless. Ils sont imprenables et vont casser le cul à tout le monde. Oh oui. Bien sûr. Bien sûr, on va casser le cul à tout le monde. Mais c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.